Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode du Donjon de Nullbuck. Vous imaginez la somme des connaissances interdites qui attend sur ces étagères qu'une puissante sorcière vienne les exploiter? Je crois que tu es victime d'une bouffée d'ambition. En tout cas, ça pue le moisi. Il faudrait brûler tous ces trucs. Vous n'entendez rien? Une voix qui murmure dans votre tête? Non. Les livres maudits s'attaquent en priorité aux esprits faibles. Hein, quoi? Non, mais moi j'entends rien du tout. Le baltringue. Moi, j'entends que dalle. Tu es sans doute trop obtus. Oula, je sens monter une vague d'énergie chaotique. Ça va tanguer. Grenouille, blouf, bladoc. Non, on n'est pas sur une péniche. Ok, on a des livres maudits partout. Ah, et on a une archiliche à 204 PV, le mage. Sinon, je te dérange le jeu, en fait. Non mais dis-moi que je t'emmerde. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'attaquer par le mid? Là, j'ai presque envie en fait de rentrer dans l'archiliche et rien d'autre, genre ignorer tout le monde. Et c'est ma souris qui est flinguée ou j'ai pas le choix de la position? Ok, c'est ma souris qui est flinguée. Ok. Lui, c'est ce qu'il me propose. Pff, ouais, vas-y, si tu veux. Ça m'a épuisé. Hein. Tu m'as épuisé, le jeu. Tac. Il y a ici. Ça me fait quoi, ça? Ah. C'est intéressant, je pourrais aller directement caquer la... la liche. Et genre, tant pis si elle est si elle est full PV que je devrais si je peux l'assommer. Elle est morte, Adèle. Voilà. Et elle est morte, Adèle. Non, mais tout ça en fait, on s'en fout. Courir avec mon barbare tout droit. Bouquin, c'est moisi. Même pas mal. C'est quoi les deux derniers livres qu'on pas joué? Je sais pas. Alors il y a lui et ok lui, ok ça marche. Tac 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 tac. Pour l'instant, la liche, elle peut pas jouer. Je vais en profiter. Tire-moi ça. Oui, c'est vous. Ah, il y a une créature débile là. Vas-y, va comme ça. On va même plus l'attaquer dans le dos d'ailleurs. Le sablier s'achève. Attention. Ah, ils se font plaisir, ils peuvent vraiment attaquer de partout quoi. C'est... c'est des grands instants de plaisir pour eux. Je peux pas aller là, donc vas-y, je vais gifler ce bouquin là. Parce que le problème c'est qu'il avance pas ce gros. Tu peux me pousser ce machin? Vas-y, pousse-moi ça. Là. Dégage-moi ça. Maître nain. Hmm.
Ah, ça va, t'es des bouquins. Je peux pas devenir invisible parce que je suis là, ok. Tac, je vais me mettre ici. Normalement, je l'achève là. Ah, pas sûr. Lâche. Allez, vas-y, il reste un point de vie, quoi. Attention à ne pas mettre le feu au livre. Bah, mon elfe est tombé. Ah, raté. Eh ben, il me reste mon elfe. Eh ben, on a presque tout gagné. Non, je déconne, on a tout perdu. Soigne l'elfe tout de suite. Avant qu'elle ne tombe dans les pommes. Voilà. Et hop, regarde dans... Je crois que si elle est comme ça, elle est sur mon côté. Donc, elle peut pas bouger. Ok. Je mets comme ça. Ouais, on va positionner. Positionnement à barbare. Hop. Moi, je veux dire. Alors, on peut partir sur une baston ou une petite bourrasque d'acier là, comme ça. Allez! Ah putain, mais et ça marche tout le temps quoi. Dès qu'il y en a un qui se déplace et qui marche dessus, c'est bon. Dans tes rêves. Oh, quel grand moment de plaisir quoi. Hop là. Et je pourrais te prendre une action supplémentaire. Mais ça me va. Ça me va. Ça me va très très bien. J'ai bien envie de te décaler par ici. Que tu viennes là. Salut. Et que tu... Ah, t'es pas au contact, donc... Si je te demande de tabasser cette connasse... Ce livre, il est intact. Ah non, celui-là, il est presque mort. Tiens, tu sais quoi, tue-moi celui-là. Hop là. On n'en parle plus. Bouquin claqué. Ah, c'est bien, il a tabassé la liche. C'est ok. Franchement, c'est très ok. Il a tabassé la liche. Moi, pour moi, tout le reste est bon. Hop. Tac, 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 tac. Alors là. Le petit paquet. La mort s'avance. Vas-y, convoque des cadavres, t'es déjà mort. Merde. Ils ont puté la liche. Excellent. Excellent, ils ont buté une liche. Bon, après, moi j'ai plus de vie, on n'est pas bien non plus, mais voilà. Ils ont buté une liche, du coup, c'est trop cool. C'est trop cool d'être con. Torgnol, façon Gurnil. J'ai l'impression que je fais toujours le minimum dégâts tout le temps. Genre, il m'arrive d'avoir mieux que juste du dégât tout pourrave. Est-ce qu'on peut toucher ce livre là? Est-ce que tu prends le poison? Je sais pas, on verra. Ouais, ça prend le poison. Prends ça face de l'autre. Mais ça fait des explosions magiques en ricochet, son truc de merde. Il est plein de vie. Non, il est mort lui en plus. Il est quasiment mort, ça fait chier. Ouais, mais si je me soigne pas, je vais crever ici. Misère! Des livres volants!
Ah mais mon elfe, ça y est, il est déjà crevé du coup avec leur connerie. Putain. Et ils en ont bien profité de leur bouton magique. Hein. Bah trop cool pour mon elfe, hors combat, il est trop loin, la blague. J'ai pas le choix, je suis obligé de rester là. Qui reste à jouer, il a l'air d'être loin. Je vais me déplacer par là avec le nain. Je peux soigner personne. Ça m'emmerde ton truc. Surtout. Il ne veut pas trembler. Voilà, il nous pètera plus à la gueule son machin. Ok. Qui est intact là-dedans? Les deux sont intacts. Tac, le premier coup. Le premier coup est pour moi. Je peux bouger ma magicienne, parfait. Je peux bouger ma magicienne. Tac, 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 tac. Et je peux donc relever mon barbare. Baston. Voilà. À travers le mur, tranquille. Ils sont si forts leurs bouquins clébards là. Allez, plus de voleurs. C'est trop. Qu'est-ce que je prends dans la gueule? Jette une popola dans ce type là. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Ce con. Et non, il me reste deux actions, donc je peux me déplacer ici. Tac, tac. Et te mettre un bon petit coup de chlasse dans le dos quand même, là, au bout d'un moment. Au bout de trois attaques, je te touche ou pas? Ah, je l'ai assommé en plus. Enfin! Pas trop tôt, hein. Bon, une bastonnade. Une bastonnade, on n'en parle plus. Hein. Petite bastonnade, là. Petite raclée réglementaire. Ouais, ça dégage. J'ai pas 50 heals non plus, là. Ça commence à être un problème. Ça l'a pas ramené? Non. Non, le bandage de mer qui sert à rien. J'avais oublié que ça servait à rien. J'avais complètement zappé que c'était de la merde. Ah non, pas la barbe!
J'avais full zapped. Et j'ai plus rien. Et je suis emmerdé parce que j'ai plus rien. Vas-y, je vais me mettre le plus possible dans son flanc. Il est déjà affecté, pas besoin de le réaffecter d'un truc. Juste le gifler. Dans ta gueule! Et ce qui est fou, c'est que le bandage le stabilise même pas, quoi. Et ça, c'est bien dégueulasse. Hop, je me mets là, je vais tomber par terre. T'approche pas trop près! Je vais relever le nain quand même. Enfin, je vais fistoler le nain. Serre les dents. Certes. Oui, refous-moi ce voleur debout là. Cette potion avait un aspect suspect. Je suis couillon, j'aurais dû la mettre. Tu la vois, ma capuche ? Je réfléchis pas à ce que je fais. Me multitorniole ce truc là. Ah, t'as pris tes bonnes giflasses réglementaires. On en parle plus. Paf, dégage. Puis il a bien dégagé. Hein. Rien toucher, je peux rien atteindre. Lui, il est trop loin en plus. C'est moi. Lâche. Oh, putain, vas-y, il esquive en plus. De move, j'ai plus du tout de move avec lui. C'est pas grave, hein. Vas-y, hop, amateur bricoleur, barrage d'acier, non, coup terrifiant, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas, 55, 73, 67, 91. Ah, oui, ça fait quand même ultra mal. Quoi. Ils sont suicidaires en plus, c'est ça le pire. Fuite. C'est vraiment les mecs qui courent après l'opti, quitte à suicider, c'est trop. C'est dur. Y a rien de plus à faire que de se planquer. Hein. Pour l'ogre. T'as rien pour relever l'autre débile. Tornade, je vois pas, 34-40 ce qu'elle m'apporte, y'a pas grand intérêt, juste abasse-le en fait. Hein. Tiens. C'était super bien.
gueule. Aïe. Ok, c'est bon, je vais ramener. Bon, j'aurais perdu que l'elfe hein, sur ce combat, mais... Pff, ouais. Le piège du milieu, il aura carrément fait le café hein, pour eux. T'es loin de tout, mon gros. Déplace-toi, casse un truc peut-être, mais... Rome veut pas s'essuyer avec ce papier-là. Ah, par Gurdy, les Golters. Victoire. On a bien morflé. Allez, on y va. Pas le temps de s'occuper des blessés. Ouais, personne ne gagne un niveau. C'est loin hein, les niveaux, hein. Les prochains niveaux sont très très loin. Beaucoup de stuff, beaucoup de choses. Les incontournables pour novice 4 sur 4. Ah, on a peut-être de quoi remplir une bibliothèque. À penser que... Ceinture éthérée qui donne de l'adresse et deux emplacements. T'as quoi comme... T'as un bon truc déjà. Je suis toujours le plus démuni. C'est déjà une ceinture que t'as. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Des points de vie par tour. Alors ça t'a déjà sauvé, donc c'est pas déconnant. Alors un peu moins de charisme, un peu moins de force, ma fille. Mais alors, petite ceinture comme ça, éthérée. C'est beau, je suis bien contente avec ça. Bah ouais, tu m'étonnes. T'as presque l'air intelligente avec ça, ma fille. Notre ogre. Anneau des fêtes de fin d'année. 3 de courage, 1 de charisme. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Charisme 2. Résistance magique 2. Alors ça t'abaisse un peu ton charisme. Ah oui, non, sur tes anneaux. Sur tes anneaux... Tes anneaux virent le deuxième. Hein. Oh, c'est pour moi. Merci. La réserve astrale. Ah ouais, non mais... Ne pas mélanger les t'as potions, déjà un sinon bon ça collier, peut donc... J'aime bien l'idée que t'aies de l'intelligence et de l'esquive, c'est très bien. Ou endu max. Ah, de l'endu... Ok. Pas mal. Pas mal, mais non, ça c'est mieux. C'est mieux. Je donne rien à personne. Ah, moins de courage. Ça lui donne un de mouvement, 3 d'esquive. Ah, ouais, mais... Un de mouvement sur le nain, je peux pas m'en passer. Je vais gagner un de mouvement sur le nain, c'est un luxe que je peux pas me retirer, en fait. Il y a d'autres items à la con qu'on a loot. On a l'air d'être bon, hein, je crois. Il n'y a pas 800 loot non plus. Hein. J'ai pas trouvé de masse pour mon ogre pour tabasser plus fort. Je sais même pas si ça existe, la possibilité de tabasser plus fort. Ce chapeau-là me donne 1 de protection, 10 de points de vie et de la résistance physique. Ça veut dire que je perds 2 points d'intelligence, là? Il est pourri, ton chapeau. De Varoltar, le démeneur. Il est pourrave. Enfin, il est pourrave. Non, il donne quand même de la défense, des points de vie, enfin... Non, il est pas pourrave. Mais il a chié. Laissant incontournable pour novice. Ça fait une petite lecture. Par Obi-Wan Kennedy. Soin des blessures légères, ce sort très pratique et rapide à lancer possède 2 actions principales. Réparer la lésion s'il s'agit d'une petite plaie ou d'une entorse, d'un bleu, d'une bosse, d'un coup de porte de placard. Vous rendre quelques points de vie si le lanceur est bon. C'est un sort très localisé, il faut viser avec soin la partie du corps endommagée, sans quoi l'effet sera perdu en grande partie. Voilà, on apprend des tas de choses sur les sorts de novice. Ah, voici le livre du désordre, le Codex Turbae. Alors... stupéfiant! Oh la vache! Non! Mais comment font-ils rentrer tous ces tentacules? Tu pourrais partager un peu d'informations avec nous? Je suis certain qu'il y a plein de gens que cela intéresse. Ah putain, cette petite voix commence à me chauffer sévère! Eh bien, en résumé, tout est là. Gignax, démon maître du temps, a trahi Finch pour suivre le prince démon Manque de Bol dans sa rébellion. La bonne ambiance dans les repas de famille! Mais Manque de Bol, devenu dieu de la loose, s'est méfié de Gignax.
Il a alors piégé une partie de ses pouvoirs dans une amulette dénommée l'amulette du désordre. Enfin, nous avons un nom pour cette... chose. L'amulette maudite permet à Manque de Bol et à son clergé de s'assurer de la fidélité de Guignax en contrôlant ses pouvoirs. Ainsi, Manque de Bol évite de voir son démon serviteur se rebeller à son tour. C'est un genre de collier de chien, quoi. Ah, ça dit aussi... L'amulette du désordre forgée par Manque de Bol ne peut être détruite qu'en la frappant sur une enclume magique. Super ! Ouais, facile ! On a l'amulette, y a plus qu'à trouver une enclume magique. Une enclume magique. Dans le donjon de Nelbeuk. Bon courage. Ah, même pas peur ! Pour qui il nous prend, lui ? Les nains ont une affinité naturelle avec les enclumes. Parce que votre humour est aussi lourd ? Bon, maintenant je pense qu'on peut rentrer. Il suffit de repasser le portail démoniaque. Ben voilà. Y a néanmoins une chose qu'on n'aura jamais éclaircie, c'est l'histoire du levier ici. L'histoire du levier ici, on a touché un levier, on a fait des pop de partout. C'est pas trop. Je ne sais pas trop. Peut-être c'est-il quelque chose d'autre concernant ce levier. Je crois qu'on avait déjà fait tout le tour de la maisonnée. À la recherche du levier. Tac 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 tac. Je refais un dernier tour parce que j'aimerais bien voir s'il y a une histoire avec ce levier. Si je le vois réapparaître quelque part. Pareil, je crois pas qu'il y ait de... Je ne crois pas qu'il y ait de bibliothèque pour les livres maudits, je sais pas quoi là. De toutes les conneries qui traînent. Putain, avec les cadavres qui traînent partout. On a foutu un peu de désordre nous aussi, hein. C'est une belle amulette du désordre, elle marche bien, elle marche bien. Elle marche bien l'allumette. Hein, l'allumette, la craque, hein. Elle marche tout seul, hein. L'amulette, bien sûr. Peut-être que c'est ça la bonne solution. Être mort-vivant, bien planqué, ici. Ouais. En pensant, on l'avait déjà vu ici, y a rien. Étrangement attirante. Hein? Bon, j'ai gagné un item. Qu'est-ce que... Talisman de persévérance d'Obulos. Créé par l'archimage Mygenedina pour les patrons. Cette amulette est constituée d'âmes ployées. La portée vous donne la motivation de 10 hommes, mais aussi leur retard. Énergie, endurance, hein, force énergie astrale. Elle est costaud, hein. Elle est costaud. Elle est costaud, 15 avec 5 de régène par tour, c'est quand même très fort. C'est-à-dire qu'une compétence qui met 4 tours à se recharger. T'as régénéré 20. Oh, on est bien, hein. Solide le bousingue. Bon bah je pense qu'il n'y a plus qu'à se tirer. Je pense que j'ai tout. On peut aller voir les deux amoureux transis là. Les deux amoureux de la blague. Ah, il est là le levier. Levier repéré. Un poulet. Zigzag, copain. Tiens, on a trouvé la solution. Étrange. Ça cache quelque chose. Ça cache du pognon déjà. Et ça, c'est bien.
Alors, enfin, peut-être que j'essaye les grenades poulet à un moment donné. L'amulette de protection cinétique. 2 de protection, 5 de parade. Maître Nain. Est-ce que vous voulez bien essayer une nouvelle amulette de protection cinétique? Ah, quand même! Les bons objets aux bonnes personnes! On est d'accord, Maître Nain. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Jambière de vortex écarlate. De la régène astrale et de la protection, un de protection, mais moi ça m'enlève de l'impact magique. J'ai pas besoin de régénération astrale. Je me suis débrouillé pour avoir assez de magie, franchement, pour les combats. C'est vrai que je trouve ça fait des objets du coup relativement merdiques. C'est moche de dire ça, que les objets sont quand même pas mal. Ouais, on s'en fout. Pour toi, on s'en cogne. Toi, t'es juste gros. Ouais, ouais. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Y'a rien d'autre? C'est tout? Ah, la ceinture de catch. Est-ce que ça peut intéresser un de mes bourrins, la ceinture de catch? J'ai même pas percuté. Adresse courage. J'aime bien le fait qu'il ait de l'adresse et du courage. Plus de points de vie. Plus de points de vie, plus de constit. J'aime bien l'idée. Ah, 8 d'esquive. Hein. 8 d'esquive, c'est fat. Hein. L'esquive, voilà. Des points de vie par tour. On pourrait peut-être se débarrasser de ces points de vie par tour. Ouais, mais lui, c'est le charisme, il s'en cogne. Adresse, 1. On s'en débarrassera pas. Des points de vie de la constite, on garde. Bon, bah, elle est bien, mais c'est pas ce que je vais retenir, quoi. Voilà. Et ben voilà, on est bien. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Je ne donne pas d'informations sur le contenu des livres. J'en assure la surveillance. C'est tout. D'accord. Très passionnant ce que tu racontes. Ah oui, non, c'est... J'ai dit quoi? Le levier, il est revenu. Il a rebougé. Quelle blague. Avant de se tirer. On va aller se retaper vite fait quand même. Hein. Même si ça coûte 200 balles, c'est pas grave. Hein. Au bout d'un moment... Faut quand même lorder 200 balles par combat, ça commence à faire cher. Vendre des trucs. Hop. 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 Hop, on a quand même du bandage de base, on a quand même pas trop mal de trucs. Hop. Heureusement qu'on arrive à se faire un peu de monnaie avec les objets. Hein. Hop. Anclier sec. Bière de vortex éclatante. Ouais, il y a quand même des objets qui pèsent, qui valent quand même leur pesant de cacahuètes. D'inconscience. Ouais, bah vas-y, lourde. Hein. On va l'alourder. Le poulet de Genes est toujours inattendu. Surprenez vos adversaires en combattant avec ce poulet de G compatible avec les ceintures d'aventurier. Ça peut être marrant, je vais essayer un poulet, ça peut être drôle. Ça peut être drôle de le balancer du poulet. Voilà. Du coup, on va garder ça. Je vais regarder les ceintures au cas où il y aurait des combats juste après. Autant dire que j'aimerais pas que ça arrive. J'ai pas des popos? J'ai plus une popo? Non, c'est une blague. J'ai plus une potion de soin? Enfin, si. J'en ai deux pelées et un tendu, quoi. Oh, misère. On n'a plus rien. Lui, il est encore sur lui. Ok, on est bon. Ok. Hop. Et tu sais quoi? Tu prends une grenade de poulet. Voilà. Tac, tac, t'es bon. T'as encore. Tu n'as plus rien. Tu prends un équipement 1. Et... tu prends l'autre poulet. Voilà. Et j'ai gagné quelque chose sur les poulets, c'est ça? Poulet n'attaque pas de front, mais une façon... mais une fois acculé, il peut vous picoter. Vous picorez le mollet avec une puissance de 1 dé de 4 moins 3 et même 1 dé 6 s'il tape dans les yeux, mais là il faut vraiment le chercher. Le poulet se mange, mais il faut le plumer et ça c'est chiant, il est difficile donc à capturer, enfin jusqu'à ce qu'on lui brise les pattes. Très bien, formidable. Maintenant la carte pour savoir s'il n'y avait pas non, c'est pas important ouais. De bien renseigner les issues de secours sur la carte. Je sais pas si je l'ai rendu. Bah 3 sur 3.
Ah oui, non, c'est bon, ça y est, ok, je l'ai rendu, je l'ai plié. C'est plié, on quitte les lieux. C'était... bon, attendez, c'était... Je suis déjà en train de vous dire, c'est la fin. Peut-être quelque chose après, hein. Allons voir. Parce qu'on va peut-être... On va tout de suite sortir peut-être en discussion avec le démon, mais si c'est pas le cas... Vous êtes en train de regarder un chargement pour rien. Bien que ça vous laisse le temps de lâcher un petit com si vous voulez, un petit pouce en l'air. Voilà, tout ça quoi. Truc qu'on réclame pas trop souvent, mais ça peut être sympa. Chapitre 6e. Torture et sentiments. De retour devant le Goldberg, après des tribulations incroyables dans la grande bibliothèque des savoirs indicibles, les aventuriers ont enfin le sentiment d'avancer dans leur quête. Pour se libérer de la malédiction de Manque de Bol, dieu de la loose, ils savent maintenant qu'ils doivent détruire l'amulette du désordre en la fracassant sur une enclume. Magique ! Une enclume magique ! Bah, on peut prendre n'importe quelle enclume et tu jettes un sort dessus, non ? Ce n'est pas si simple. Il faut qu'elle ait subi un enchantement permanent. Je n'ai pas le niveau pour créer ce genre d'objet. Ça m'aurait étonné aussi. Bon, alors si on essayait de trouver une enclume magique dans le donjon ? On trouve les enclumes dans les forges. Il faut trouver une forge, pour autant qu'il y en ait une dans ce donjon de bouseux. Peut-être que quelqu'un à la taverne sait où ça se trouve. Je pense qu'on pourrait se renseigner à la taverne. Oh. Dites, vous n'avez pas mieux à faire que d'encombrer mon antre avec vos jérémiades ? Je n'aime pas les gêneurs. Oui, oui, eh bien, je crois qu'on va vous laisser. On doit justement rempailler quelques chaises. Fichons le camp avant d'être transformé en pâté de tripe. Akala, miam miam. Sortez ! Ah. C'était le Goldberg. C'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming pour le donjon de Nullbuck. Et je vous dis à la prochaine.